Il était une fois un roi et une reine très sévères qui vivaient dans un château avec leurs trois fils. Un jour, alors qu'ils devaient partir et revenir tard le soir, la mère dit « Soyez sages en notre absence, sinon gare à vous. On ne veut pas rester tout seul. On a peur de l'ogre de la forêt. » L'ogre de la forêt ? Oui, aux dents pointues et tout poilu. Qui est très gros, qui est marron. Avec un nez comme un cochon. Avec une queue en tire-bouchon. Avec des cornes et des grandes oreilles qui sont pas bon. Ça n'existe pas. Le roi et la reine partirent en laissant leurs enfants jouer seuls devant le château. Elles sont bonnes, ces oranges. J'entends des bruits. Il y a quelqu'un dans le couloir. Ça sent l'orange par ici. Ça sent la chair fraîche. Au secours! C'est là qu'ils viennent nous manger. Ah, je tombe! Vite, sauvons-nous! Il faut appeler la Feva. Viens nous aider, Feva. J'ai peur! Au secours! N'ayez pas peur, je vais vous aider à retrouver la Feva. Feva, il faut que tu aides ces trois garçons. Les frères racontèrent à la fée Eva que l'ogre voulait les dévorer. Ah, si l'ogre mandarine s'est réveillé, il faut qu'il mange, sinon rien ne pourra l'arrêter. Voilà l'arbre de l'ogre qui a été déraciné par l'orage. Il nous faut beaucoup de fruits. Il nous faut beaucoup de fruits. Il nous faut L'ogre adore la salade de fruits. Il adore ça. Voyant arriver l'ogre, les cinq amis se cachèrent derrière les arbres. Ça sent l'orange par ici. J'adore la salade de fruits. C'est bon. Il mangea encore, mangea tellement qu'il explosa. Eva et l'ours raccompagnèrent les enfants au château. Au revoir les enfants, à bientôt. Merci à tous les deux. Au revoir. Nous vous félicitons les garçons. Oui, vous avez été très sages en notre absence.